Oh, je suis en train de boire dans ma super tasse. Non, je déconne. Bonjour à tous et bienvenue sur le stream de Web TV. Aujourd'hui, on va faire du BF4 en avion. Parce que je sais qu'il y a pas mal de monde qui galère un peu en avion. Et c'est peut-être l'occasion de vous aider à vous améliorer en avion sur BF4 pour ceux qui jouent. Pour ceux qui jouent bas, eh bien, vous verrez un magnifique pilote. Ou peut-être pas. Donc l'avion apparemment est ici. Ah, c'est un bug ça. Ah, le bug de ouf. Non, putain, j'ai pas eu le fanfan. Leurre, ok. Radar actif, ok. 25 mm, ok. Roquette hydra, leurre, camouflage. Là, on est bon. Je clique tout plein jusqu'à ce qu'il arrive. Ah, ça y est, on a eu l'avion. Parfait. Oh, putain. Comme quoi, spammer, bah, en temps du hasard, spammer le bouton, c'est pas mal. Hein. Ouais. Oula, oula. Oh. Heureusement que je suis pas rentré, hein. C'était un petit peu chaud. En fait, pour tourner le plus rapidement possible, il faut aller à 300 km/h. Okay, donc voilà, là-bas, je crois qu'il a sauté parce que l'avion fait du surplace et je vois un parachute au sol, donc ouais. Parce qu'en fait, oh putain, je suis vraiment boulé. Je suis vraiment boulé. J'ai eu l'ennemi et je me suis complètement gouré dans mon sens de souris, j'ai fait de la merde. What? Oh, oh, oh! C'est quoi ce délire, là? Voilà. Bah écoute, on va arrêter de jouer en avion parce que c'est totalement buggé. Puisque actuellement, je prends un missile d'un Stinger, d'un mec qui est mort, qui est au milieu de l'océan, ce qui n'est pas possible. En survolant l'eau, c'est n'importe quoi. Il y a une DCA automatique par un bot sur un truc qui s'est échoué, qui n'est même pas là. Enfin, c'est vraiment n'importe quoi. C'est totalement buggé. Ok. En fait, c'est une île des buissons. C'est ta coste sur l'île, t'as plein de buissons qui te tirent dessus. Un buisson à droite, un buisson à gauche, un buisson au milieu. Les bateaux là, ils servent à rien. Transport sert à rien, sert à rien, sert à rien. Il n'y a aucun véhicule qui est bien. Ah, il y a lui, sauf qu'évidemment, on me l'a piqué du coup. Je suis un sous-marin, les amis. Personne ne peut me voir sous l'eau. Je suis comme James Bond, je peux retenir ma respiration pendant 5 minutes. Tirer dessus. Voilà. Allez, boum. Ça fait plaisir qu'on s'explose comme ça. J'aime qu'on s'en pète. J'aime quand ça explose. Monsieur m'a fait un peu peur. Allons, foiré. Allons, foiré. Allez, crève. Je sais pas si vous avez vu la posée du C4 et des Claymore. Là où c'est Bagdad, les amis, c'est Bagdad. Allez, C4. Tiens. Bouf. Pouf, pouf, pouf. Je suis content. Le mec il campe dans sa tour avec son C4 tout pourri. Je l'ai massacré à gros coups de lance-roquette. On peut dire que c'est le juste retour des choses. Une vengeance toute en délicatesse. J'ai toujours pas d'hélico et je n'ai toujours pas d'avion. Putain, moi qui voulais faire une partie avec des avions, c'est un peu râpé. Hein. N'empêche qu'on les explose pas mal. Ça fait plutôt plaisir puisqu'on a tous les drapeaux. Sauf pas, il comprend le fofon, on a l'avion. Je le savais, en fait j'avais prévu le coup. Vous savez, j'avais calculé à seconde près. Comme ça, vous tirez un peu plus devant. Bon là je suis assez près donc là à la limite on s'en fout. Mais sinon faut tirer un petit peu en avance de manière à prévoir le mouvement des balles. Bon le mec s'est pas joué heureusement parce qu'il a meilleur avion que moi. Enfin il a meilleur avion qui est moins puissant. Putain il arrête de bouger le con. Voilà merci. Il commence à me casser les coucougnettes celui-là hein. L'avion là c'est l'avion contre lequel je me suis battu. C'est l'avion furtif. Il est plus rapide en ligne droite. Il est plus maniable. Mais il est moins puissant en artillerie, en canon. Lolo-lo-lo-pop-terre. Attention, ici au pilote de bord, ici le capitaine du pilotage dans l'avion. Cut23, Fanfan, ici Nubes Légende, ici Nubes Légende. Demande autorisation d'ouvrir le feu. Bam, 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 bam. Cible éliminée. Bonjour monsieur, ennemi tué encore une fois. Alors par contre il faut avoir des bons yeux, quand vous avez les petits spots 3D comme ça, il faut vraiment bien voir le spot et tirer juste un tout petit millimètre sous le spot 3D pour avoir le monsieur qui est en train de marcher, de courir. Petite astuce de mon côté, je joue avec le clavier, donc ZQSD et les trois flèches, donc comme ceci, pour tout ce qui est manœuvre, et dès que je vise un ennemi au sol, je vise avec le clavier. Pour ça, pour délimiter une zone. Et après, j'ajuste mon tir avec la souris pour être vraiment plus précis au millimètre, vraiment quand c'est vraiment, vraiment serré. Ça, c'est le principe, ça, c'est la théorie. Bah, je suis un aviateur, vite! Avion, 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 avion! Avion, 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 avion! Avion!
Et j'ai mon avion. Ok, donc il y a le décompte, mais je suis quand même dans mon avion. Au calme. Mais il est con. Ok. Alors le pilote, c'était Ben Laden le pilote. Je sais pas si vous avez vu ce qu'il a fait, le pilote en face. Il s'est craché comme une grosse mer sur le barrage. Et arrivé en mode, oh, j'en ai cassé le barrage, un coup d'explosif. Et pff, je sais pas, il y a des gens, ils sont un peu tarés dans leur tête. Hein. On va passer entre les câbles, easy, et de partir, enfin de repartir d'une zone qui était jusque-là pas connue par notre position. Alors là, avec les hélicos, c'est pareil, il faut viser un petit peu en avance, essayer de suivre leur mouvement. Et c'est la neutralisation, parfait. Oh putain, l'avion. Je sais pas si vous avez vu comment on s'est croisé. Oh, ça dessert de merde. Faut la pourrir. Je crois que l'autre l'a eu au tank. Parce que j'ai entendu une explosion et j'ai vu le truc exploser. Non, la LCA m'a tiré 3 petites balles. On va gentiment faire un long demi-tour de très 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 loin. Parce que la DCA est totalement cheatée. Est-ce que c'est elle? Je crois que c'est elle. Allez, faut absolument l'OS. Ok, heureusement il a pas le temps de réparer, donc hop. Et non, il met du truc anti-explosif. Et par là-bas, alors je vais lancer gentiment le tir un petit peu en avance. Et le massacrer, voilà. Donc j'ai visé bien en avance, parce que là il était quand même assez loin. Enfin, il était pas très loin non plus, mais enfin bon. Suffisamment pour tirer assez loin. Comme je dis toujours, hein. Merci Jackie et la minimap. C'est toujours comme ça qu'il faut faire. Les petits tutos de l'Anubis. Aussi, pareil, là, je sais pas si vous avez vu ce que j'ai fait. J'ai commencé à tirer. J'ai arrêté de tirer. J'ai continué de tirer juste après. C'est le temps de voir si ma visée est bonne. Plutôt que de tirer toutes mes munitions et de me dire, oh merde, j'ai tout tiré à côté et je dois recharger pendant 30 secondes. Je me dis, vaut mieux faire des petites salves, voir si ça touche ou pas. Et si ça touche, vous continuez. Si ça touche pas, vous ajustez. Il a engagé un virage sur la droite. Je répète, il engage un virage sur la droite. Une vrille intérieure relevée sur la droite. Bon, j'ai un peu de retard, mais en même temps, ça me permet de bien prévoir ses mouvements. Je tire un peu en avance. Un peu plus, un peu moins. J'ai horreur des gens qui font ça. Ah, c'est insuivable, mais je m'en fous parce qu'il ralentit et c'est la mort. Et c'est la mort qui t'a assassiné. Oh ouais, oh ouais, oh ouais. Non, il tourne. Mais qu'est-ce qui me rouille? Putain, voilà. Ça, c'est ce que s'appelle la joie de BF4 qui ne marche pas. C'est un des trucs qui me fait vraiment rager dans BF4, c'est que t'es là et tu te prends un missile qui vient de nulle part. Tu mets tes leurres, ça ne marche pas. Et en plus, le mec qui t'a envoyé le missile n'a même pas le kill parce que tu meurs de tuer au combat. Donc personne n'est content. Sauf les développeurs qui sont contents de faire rager les joueurs. Je pense qu'en fait, il y a un syndrome de développeur. C'est-à-dire celui qui fait le plus rager et gagne le meilleur jeu. Il doit avoir un prix Nobel de comment développer un jeu pour faire rager. Ça doit être ça. Ici le commandant. Vous êtes mort. Il me prend chasse, mais moi j'ai la chasse aussi. Et je ne laisserai rien tomber. J'ai un avion qui est plus rapide que lui. Donc là, lui, je peux l'avoir en forçant. Oh, il bouge. Oh, il bouge, le coquin. Par contre, il n'y a vraiment pas de chance parce qu'il avait un allié qui était juste à côté. Et l'allié l'a laissé tomber comme une merde. Oh, 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 on va se calmer quand même. Parce que là, oula, 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 oula. Voilà, merci, quand même, s'il te plaît. Formation serrée, formation serrée. Wouhou. Là, on a pris un petit peu cher. Hein. Ok, formation serrée, je répète. Demi-tour, demi-tour. Un peu bizarre. T'aimes te moucher. Ça fait plaisir. Alors qu'est-ce qu'il t'a dit le médecin? Ouais. Sérieux? Putain, ça c'est de beaux médecins ça, hein. Quand il y a un hélicoptère, là c'est l'hélicoptère qui m'a verrouillé. Vous visez le ciel directement. Comme ça l'hélico s'il veut suivre, qui veut continuer de vous viser, il va vous viser comme ça en levant le nez, il va reculer et il va perdre en altitude. Et en perdant en altitude, eh bien, il perd en altitude et il se crache. Ce qui est plutôt cool. Y'a copain! Attends-moi, copain! Est-ce que ton copain est dans une cabane? Parce que copain cabana! Et regardez ça, regardez ça, regardez ça! Wabdoula! Et vous avez vu, c'est moi qui me suis craché! Vous avez vu là à droite? C'est moi craché! J'aime me cracher sur l'écran de victoire. Tu vois, c'est un peu un rêve en fait de me cracher sur l'écran de victoire. C'est quand même plutôt cool, voilà, moi j'apprécie.
De mon côté, je vais boire dans cette magnifique tasse Team Legend. Sponsorisée. Grâce à nos nombreux sponsors, on a pu la payer. Sponsors qui sont au nombre de... Ah ! Ah ! Ah ! Ok, d'accord. Salut. C'est nul.